Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 125 de ma carrière sur WWE 2K17. Et j'aimerais partager avec vous une crainte que j'ai désormais, qui a commencé un tout petit peu à germer dans ma tête il y a quelques jours pour moi, quelques heures peut-être même. En faisant le montage de l'épisode précédent, j'avais dit dans l'épisode précédent que la rivalité avec Finn Balor n'avançait pas beaucoup, qu'il se passait rien. Et j'ai revu le montage et tout, puis j'y réfléchis. Et effectivement, il se passe rien. Et j'ai l'impression qu'il ne va rien se passer. En gros, j'ai comme l'impression qu'on va se trouver coincé dans la rivalité, qu'elle va jamais se finir, et que par conséquent, cette rivalité va me bloquer dans ma quête du titre par équipe. Donc AJ Styles, tel que vous le voyez, n'est peut-être pas si proche que ça de devenir champion par équipe. Parce que c'est un bug qu'on m'a signalé il y a assez longtemps. À l'époque, il y avait des gens qui avaient peur que ça me soit arrivé avec le titre US, je crois. Et ça ne m'était pas arrivé. Mais là, je pense que c'est en train d'arriver. Là, je pense que la rivalité va pas se terminer, elle va pas avancer du tout. Je pense qu'elle est coincée à l'étape 0 d'une rivalité, vous voyez. Genre, elle existe, mais elle n'a pas encore tout à fait commencé. Parce qu'on n'a pas eu de cinématique lors de la première semaine. Là, avec un peu de chance, on en aura une, mais... Bah non, attendez, on n'affronte même pas Finn Balor, on affronte The New Day, c'est vrai. Donc, ouais, je suis pas rassuré. Et le seul moyen, du coup, de se débarrasser de la rivalité, ce serait de changer de classement. Sauf que je perdrais toute ma progression. Surtout que c'est bête, je suis sûr qu'on est presque prétendant numéro 3. Parce que là on affronte les prétendants numéro 1 au titre par équipe, The New Day. Bon, du coup, si vous le permettez, je vais donc écourter l'entrée de New Day et me lancer dans la bataille. Et bon, j'ai quand même envie de tenter un truc avant de laisser tomber l'affaire. J'ai envie de voir si je peux pas forcer la rivalité à avancer. Parce que Finn est face, donc peut-être que, contrairement à Sami Zayn et à Finn à une autre période... Voilà, attendez, c'était Neville peut-être qui était passé heel, je crois. Enfin bref, la plupart des faces avec lesquels j'ai été en rivalité ont joué un rôle de heel dans la rivalité. Donc là, peut-être que ce n'est pas le destin de Finn d'être le méchant de la rivalité. Donc peut-être que c'est le mien. Donc peut-être qu'il faut que je le frappe. Donc en fait, il faut penser en mode barbare du donjon de Hulbuck et établir une stratégie. Le frapper très fort jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Ou en l'occurrence, jusqu'à ce qu'il ne vienne plus nous embêter. Ça m'a l'air d'être une très bonne stratégie, donc dès que j'aurai l'occasion de l'attaquer, parce que quand il y aura des matchs pas contre moi, je pourrai l'attaquer, parce que c'est le seul du coup que je peux attaquer vu qu'on est en rivalité, et ben je le ferai. Voilà. Donc je vais harceler Finn Balor, lui casser la figure, le castagner, jusqu'à ce qu'il me laisse tranquille. Enfin bon, déjà dès le début, c'est vrai que la rivalité a mal commencé. Hein. Parce que j'avais déjà commencé une rivalité avec Adrian English, puis Paul Heyman s'est pointé en disant « Non, tu vas aller embêter Finn Balor. » Parce que je l'ai dit. Merci beaucoup, Paul. Alors toi, quand j'aurai l'occasion de devenir un Paul Heyman guy, je me ferai un plaisir de te dire non. Et je me ferai un plaisir de réduire en poussière cette bête qui est la tienne. Enfin, la tienne, pas exactement. Cette bête que tu soutiens, cette bête qui te supporte, qui te tolère,
cette bête féroce que tu soutiens. Je me répète là, je vais arrêter. C'est la frustration qui parle là. Donc il est possible que je passe du côté obscur. Il est possible finalement que je cède à la facilité, que je décide d'être un vilain. Exactement comme le souhaite Alexa Bliss d'ailleurs, je pense. Incroyable. Elle a finalement réussi à m'embobiner. Bon, certes, de temps en temps, j'aimais bien user d'un tout petit peu de roublardise. Surtout l'épisode qui s'appelle Roublardise en fait. Roublardise Ultime, je crois. Où là, j'avais vraiment abusé. Mais sinon, à chaque fois, je me reprenais. Je me disais, ouais, c'est bon, là j'ai abusé. Maintenant, pendant quelques temps, je vais me tenir tranquille. Bah, sauf que se tenir tranquille, bah, finalement, ça m'a pas apporté grand chose. Même pour le titre WWE. Donc peut-être. Ouais, peut-être que ça sert à rien d'être gentil. Peut-être que pendant toute ma carrière, j'ai eu tort. Peut-être que pendant toute ma carrière, j'ai été aveugle. On verra bien. On verra bien. En tout cas, il est fort probable que je fasse des choses moralement douteuses. Et contraires à ma vraie nature, d'ailleurs. Parce que je ne suis vraiment pas du genre violent en même temps. 1m65, 54 kg, vous admettrez que j'ai pas un physique très menaçant. En vrai, hein, pas dans le jeu. Dans le jeu, je suis plus grand et plus lourd. C'est dire. Quand on me voit à côté de certains dans le jeu, imaginez un mec encore plus petit. Aïe. Ouais, concentre-toi, Kev. Concentre-toi. Non, le contre était pas malin du tout. Le contre était pas intelligent. Du coup, je suis contraint de. Non, j'ai été trop gourmand. J'ai été beaucoup trop gourmand. Je pensais que je pouvais juste le frapper une fois avant de passer le relais à AJ. Et là, je fais n'importe quoi. Oh non, Midnight Hour. Oh la vache. Ah non. Non. Non, même pas en rêve. Je ne perds pas ce match. Pas contre les prétendants numéro 1. Hors de question. On fait pas le foufou. On passe le relais. Ah dommage, je cible AJ. De toute façon, je me serais vautré par terre. Ah non, je ciblais Biggie là. Oui, effectivement. Oui, on cible le coéquipier temporairement quand on passe le relais. Et après, ça revient sur l'adversaire. Ah non, il faut que je cible Kofi. Au cas où. Pour intervenir. Quand AJ aura besoin de moi. Et là, je n'hésiterai pas une seule seconde. Vas-y, AJ. Fais gaffe, marche pas sur la main de Becky. D'ailleurs, si jamais je suis vraiment définitivement un méchant, je pense que bah, Becky je pense que ouais, je vais les laisser de côté. Ah bah, je pense que si je veux devenir méchant, il faut que j'ai les bons profs. Et je pense qu'Alexa sera une prof un petit peu plus compétente en la matière, en roublardise, que Becky. Et quand même, à une époque à NXT, Becky, elle était pas gentille. Bon, j'ai pas vu les émissions en question, j'ai juste vu quelques extraits, mais elle a quand même trahi Bailey à une époque. Eh ouais, elle était pas rousse d'ailleurs encore. Bon allez, on se concentre sur le match. Steph Kingston vient de placer un énorme contre sur AJ Styles et ça complique sérieusement nos affaires. Projection de points sur AJ Styles qui ne peut malheureusement pas contrer. Monkey Flip, joli. Suivi du crossbody. Oh, double jump crossbody. Il va se dégager. Je lui fais confiance. Dégagement d'AJ Styles. Les matchs par équipe sont toujours très compliqués, mais là j'ai l'impression qu'on n'a jamais vécu ça. Hop là, l'arbitre. Oh mince. Oh joli ça. Oh joli. Sympa. Le contre de l'attaque dans le coin de Kofi est vachement sympa. Je découvre encore des trucs sur ce jeu, c'est fabuleux. Ouais, non, c'est un peu trop tôt là, je pense, mon cher AJ. En plus, l'arbitre met 3 millions à venir compter le tombé, forcément. L'issue était prévisible. Oula, tu me fais confiance, mon ami. Très bien. Je tâcherai de me montrer digne de la confiance que tu m'accordes. Voilà, merci beaucoup, mon cher AJ.
Et on va fatiguer Kofi. Non, dommage. J'ai voulu placer une prise élémentaire. Oh non. Non, 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 pas encore. C'est pas possible. J'ai pas réussi à contrer. Mais non. Ah non, ça va. Ça va, ça va. C'est pas un finisher. Je l'aurais pris. Je l'aurais clairement pris s'il l'avait tenté. Voilà, tu me respectes un petit peu, Biggie. Je suis champion US, moi. Et je suis même pas américain. Je pense que le moment est venu de placer la variante du Destiny. Oui. Le Discus Destiny to a running opponent, c'est raté. Oh, et en plus, je suis essoufflé, mais quel loser, quoi. Quel loser. Alors là... Là, en fait, sur mon dos, au moment où je me suis raté, au moment où j'ai raté Biggie, il y avait écrit « Naz ». Je devrais presque me le tatouer, là, à ce niveau-là. Tellement je suis ridicule. Allez, Hipster Snack Breaker, ça faisait longtemps. Bon, on va rester dans du classique. Le classique, c'est bien. What? Pourquoi t'as ciblé? Pourquoi diable ma superstar a-t-elle ciblé? Ah non, mais c'est parce que je faisais une attaque en courant. Je crois que les astres ne sont pas bien alignés pour moi aujourd'hui. Quand les astres ne sont pas avec vous, ça annonce un désastre. C'est pas possible. Manquerait plus que j'éteigne mon micro sans le faire exprès. J'ai failli le faire, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ah, et Biggie qui a son coup spécial. Hors de question que je me laisse faire. Et pourtant, je vais me faire avoir. Oh là là, je suis pas. Je suis clairement pas dans un bon jour. Voilà. Allez. Allez, Jay. Yes. En plus, j'avais besoin de passer le relais absolument. Parce que j'aurais pu faire perdre le match à mon équipe. Voilà. Donc, on cible Kofi Kingston. J'ai dit Kofi Kingston. Pourquoi c'est le dernier que je cible? Non, 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 non. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi ça a ciblé AJ? Pourquoi? Excusez-moi. Mais c'est pas possible, c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible et c'est scandaleux. J'ai quand même fait exprès de laisser le réglage du ciblage sur manuel. C'est pas pour qu'on vienne me le changer à tout bout de champ. Voilà, pour la peine, AJ vient de contrer le Big Ending. Je peux me calmer. Oh non, Biggie vient de contrer le coup spécial d'AJ. Kofi, tu me nargues pas. Oh, je vais lui casser la figure. Je vais lui casser la figure. Voilà, ça c'était gratuit. Oui, AJ a contré, c'est bien, c'est bien. Voilà, on se calme, on se détend. En plus, je crois qu'il vient de contrer le coup spécial de Biggie, l'autre coup spécial. À savoir le... Comment dire là, le splash. Le splash de Biggie. Donc on va cibler Big E. C'est quand même incroyable. En fait, quand Kofi est sorti du ring, j'aurais dû le plonger sur lui. Genre directement, quoi. On va cibler Kofi. Non, allez. Allez, Jay, te laisse pas faire. Tu as l'avantage. Tu peux le bouffer. Tu peux l'avoir. Ah, backbreaker, dommage. Il a passé le relais à Kofi qui est un finisher. Peu importe. De toute façon. Bien joué, Kofi. T'as l'air encore plus malin que moi tout à l'heure. Merci, AJ. Attrape-le, attrape-le. AJ. Merci, AJ. Ah, le soutien. Inébranlable de cet homme. Non, ça va, il a fait son boulot. À moi de faire le mien. Bah oui, j'ai pas vu. L'affichage pourrait pas être un peu plus clair. Voilà, c'est bon, là c'est mieux. Voilà, bim. Oh là là. Oh, j'en ai marre. Destiny, non. Allez. On va se faire un petit peu respecter. J'en ai marre. J'en ai tellement marre.
Voilà! Voilà! Merci AJ. AJ m'a couvert parfaitement. Et j'ai donc pu faire abandonner. Laisse mon partenaire tranquille. Je vais te taper. Oh, je vais te taper. Bon, voilà. Voilà ce que fait un homme frustré. Il fait des bêtises, mais à l'arrivée, il arrive quand même à faire quelque chose. Avec beaucoup de chance, quand même. Beaucoup de chance. Ah, la bonne blague. Ah, c'est pas vrai, le jeu qui me troll jusqu'au bout. Oh, c'est bien, tu es troisième du classement, tu peux avoir un match de championnat. Oh, mais non, c'est vrai, t'as déjà un rival. Et tu seras probablement coincé avec lui pour toujours. À moins que tu ne changes de classement, ce qui fait que tu perdras ta troisième place. Et on affronte... Ah! Ah! Non, bah non, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Même mon personnage est énervé. C'est dingue. On est vraiment sur la même longueur d'onde, le jeu est parfait. Enfin, non, bah non, justement, non, sinon on n'en serait pas là. Allez, ça tombe bien, je commence contre Finn. DDT, pour commencer proprement, voilà. Alors là, il va y avoir aucune pitié, je vais lui casser la figure. De toutes les manières possibles et imaginables. J'ai glissé là, j'ai glissé. Oui, c'est ça, j'ai glissé. Allez, allez boum, coup d'avant-bras. Voilà, petite dédicace à AJ dès le début. Projection dans la barrière. Projection contre le poteau. On commence sur de bonnes bases. Bien sûr, il m'attaque le bras, mais ça fait pas grand chose. Crucifix, pas mal. Ah, il me piétine. Non, faut pas que je contre. Ouais, il est énervé lui aussi, apparemment. En fait, on est tous les deux énervés l'un contre l'autre, mais on le montre pas à l'écran. C'est. On se lâche dans les combats, quoi. On est à 7, on est à 7. Voilà, coup d'avant-bras. Hop là, je remonte sur le ring pour replonger. Shooting Star Press. En fait, on est hyper nerveux dans notre match parce qu'on est super énervé l'un comme l'autre. On n'arrive pas à avancer dans nos carrières. On se bloque mutuellement, en fait, je pense. Je pense que Finn, il veut un match pour le titre, mais il l'a pas parce que la rivalité n'est pas vraiment lancée. Et moi, je voudrais avoir un match pour un autre titre et je l'ai pas non plus. Allez, Twisted Bliss. Ah tiens, au fait, Finn. Je sais pas si tu te souviens... Là, si tu te souviens de cette prise... C'était un ancien finisher à moi, tu t'en souviens? Pump and Doll, Half Nelson, Driver. Et ouais, l'une de mes deux nouvelles prises. Alors attendez, ma deuxième prise. Enfin, celle que j'ai changée, que j'aimais bien. Elle est de dos. Donc j'aimerais bien l'exécuter. Vas-y, Finn, tape un petit peu. Voilà, on va quand même essayer de faire un match plutôt joli. Même si on est énervé tous les deux. Je pense que c'est justement parce qu'on est énervé tous les deux qu'on fera un match joli. Non, Finn. Non, j'ai pas réussi à contrer, dommage. Bien joué, prise à deux. Mon cher Jack. Je t'aime bien. Mais malheureusement, t'as fait équipe avec le mauvais gars. À savoir mon ennemi. Voilà. Encore un Shooting Star Press, c'est gratuit, c'est offert par la maison, ça me fait plaisir. Ne m'en remercie pas. Backbreaker. Je le retourne. Hop là, Half Nelson Neckbreaker, c'est pas ça la nouvelle prise. En plus c'est une prise que j'ai pas trouvée la première fois, mais c'est vrai que quand j'ai créé mon personnage, j'aurais bien aimé la voir effectivement. Sauf que je ne sais plus où elle est. C'est bête. Bah écoutez, on va essayer toutes les... Ah non, je crois que c'est là. Ouais, c'est bon, c'est là. Pump and Doll ou Ranage. Voilà. Allez, AJ. Je te passe le relais. Je m'occupe de Finn. J'en ai rien à faire. J'ai plus de respect. J'en ai tellement marre. Vite, lève-toi avant que je perde mon coup spécial. Ah, il a esquivé. Ah, le petit fumier.
Oh là là, joli. Inverted Explorer Suplex. Bon, cette bonne guerre, c'est bon, ça m'a calmé. Bon, ok, je vais regagner mon coin gentiment. Voilà, je ne vais pas faucher ta jambe comme j'ai failli le faire en passant à côté de toi. Voilà, je regagne docilement mon coin. Tout va bien. On est relax, on est relax. Cela dit, j'avais raison pour le match contre The New Day. C'était bien un match pour nous faire passer numéro 3. Donc effectivement, c'était le match de la chance absolue. Donc j'ai bien fait de refuser de le perdre à tout prix. Enfin, d'essayer de le gagner à tout prix plutôt. Donc au moins ça c'est fait, mais voilà. J'aimerais tenter quand même justement l'histoire de vraiment se déchaîner sur Finn, voir si ça fait quelque chose. Alors par contre, l'inconvénient c'est que j'espère qu'il aura bientôt un match en solo et pas contre moi. Que je puisse intervenir et vraiment lui casser la figure en bonne et due forme, hein. Si c'est possible, en bonne et due forme. Quand on parle de casser la figure de quelqu'un, il n'y a pas vraiment de bonne et due forme, à part un duel. Avec des règles bien établies, mais sinon... Ouh la vache! Ouh, AJ s'est fait faucher la jambe par Jack Swagger, qui est prêt. Non, on n'y pense même pas. Oh, ça aurait été trop drôle que Finn se prenne la Gut Punch Powerbomb. C'est mon côté du ring, tu dégages. Ah, j'ai eu que Swagger, mince, j'ai pas eu l'arbitre. Bah alors, t'es encore à l'extérieur? Donc je suppose qu'il est à l'extérieur et qu'il y est bien. Bon, il se relève péniblement, mais il se relève. Ça va. J'aime pas qu'il se relève. J'ai envie qu'il reste par terre. Joli, AJ. Le neckbreaker, c'était joli. Ah, bien joué. Coucou. Non, 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 tu viens là, tu viens là. Pardon, c'est sale, je suis désolé. C'est sale. Bon, en même temps, j'ai dû faire plein d'épisodes propres. Je peux me permettre d'en faire un sale de temps en temps. Écoutez, le jeu fait n'importe quoi. Je vois pas pourquoi moi je me priverais. Non, AJ va se dégager, y'a pas de problème. Un film qui a vraiment de plus en plus de mal à se relever. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon. Il doit être tenté lui aussi. Il doit se dire, oh lui. Oh lui. Et après il se dit non, 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 je vais être raisonnable. En fait on est pareil lui et moi. Et on a vu une belle animation avec AJ qui a porté une corde à linge sur Jack Swagger. Projetant ainsi celui-ci dans le coin. Swagger était tombé assis, là c'est parfait. AJ a fait un contre-majeur, là il porte son Fireman Scary Neckbreaker. Et voici donc le Moonsault ou le Lion Sault à la Chris Jericho. Et là, il faut que tu balances tout, AJ. Là, tout de suite, maintenant. Ah, mais pourquoi tu choisis ce point-là aussi? Est-ce que je peux frapper Swagger? Ça pourrait déconcer la situation. Et ça pourrait peut-être... voilà, aider AJ à placer le Styles Clash. C'est parfait. Allez, on attend. Maintenant. What? Swagger se dégage? Alors, certes, vous avez remarqué que Finn a mis beaucoup de temps à réagir, d'ailleurs il n'a pas réagi du tout. Mais je l'ai tapé juste pour le plaisir. Je m'en serais voulu de ne pas le faire. En plus, ça tombe bien parce que Swagger ne peut plus passer le relais pour l'instant. Je m'en fiche. Hein. Bah, Finn Balor n'est pas là pour m'arrêter, donc voilà. Je pense que Finn va en avoir marre au bout d'un moment. Ça doit tellement le saouler tout ce que je fais. On va cibler Finn. Allez, je pense qu'un tombé spécial ça peut suffire à battre Swagger. Sincèrement. Ou une très grosse prise. Très grosse prise ou tombé spécial, je pense que Swagger est tellement fatigué que là il en peut plus. Il suffit de pas grand chose pour gagner le match là. Même une prise de soumission, ça pourrait suffire. Si elle est bien gérée, ça peut faire l'affaire.
Finn qui est... Pff, la pose de Finn, quoi. Genre, il est épuisé, même lui est épuisé. J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. Allez, Jay. J'ai ciblé Finn quand même, parce qu'il me fait un petit peu peur, je vous avoue. Ouh, le dropkick. Le missile dropkick. Il relève Jay. Bon, en tout cas, il le met en position assise, il le redresse. Belle défense de la part des Jay qui pourrait passer le relais. Il va devoir le faire bientôt, hein, parce qu'au niveau des comptes, il n'a pas l'avantage. C'est un match tendu. Hein. New Day plus Finn Balor et Swagger, c'est tendu. Hop là, le petit coup de pied sur la cuisse. J'en fais pas plus. J'abuse, certes, mais pas trop. Ne pas trop abuser, c'est un concept assez compliqué, mais... Je saurais même pas l'expliquer moi-même. Vous ne gagnerez pas ce match. Je vous laisserai pas gagner ce match. Bon, en attendant, AJ passe un mauvais moment. Disons, Alexa, t'as pas encore distrait l'arbitre. Ah, tu réserves ça pour quand je serai plus dispo, c'est ça. Ouais, je comprends. Vraiment en dernier recours. Oui, bien joué, AJ. On sent quel homme. Ah, c'est contré par Finn, dommage. Et tu m'énerves. Tu m'énerves. Swagger, tu... voilà, t'as bien fait de te barrer. Je vais bien. Allez, Jay. Tu peux le faire. Ah, dommage qu'il soit pas de mon côté du ring. Oui, AJ, passe-moi le relais, AJ. Voilà, là il faut que je le prenne. En plus, je suis l'homme le moins fatigué du match. Voilà, parfait, merci. Partenaire, prise à deux. Oui, prise à deux. Double Godbuster. AJ, il faut que tu sortes. Voilà, merci. Pour le bien de l'équipe. Oh mince, le reverse 1916. Ah, bien joué. Ha ha ha! Eh oui! Non, AJ, pousse pas Alexa, s'il te plaît. Non, mais il la respecte même pas. Est-ce que tu l'as vu au moins? Allez, je me rebelle. Mais oui! Non, pas de prise à deux. Projection dans le camp opposé. Et peut-être. Oh, peut-être. Oui, l'arme secrète. C'est peut-être ce dont j'ai besoin. Mince. L'Avalanche Victory World, c'est peut-être ça qu'il me faut pour gagner le match. Oh mince, déjà il faut que je contre ça. Coup de grâce. Esquivé. Oh non, c'est une erreur mon cher Finn. Allez, se dégage. Non, Swagger. Non, voilà, merci. Merci monsieur Swagger. Alors, on le maîtrise un tout petit peu. Je contre encore. Petit paquet. AJ. Essaie encore, AJ. Bon, apparemment, c'est pas la peine. Ah, il m'énerve. On a commencé ça à deux, AJ. On va finir ça à deux. C'est fini. Brainbuster. Frog Splash. On cible Swagger. On le dégage. Et on gagne. Oui! Oui, AJ! Ouh! C'était douloureux. Et ce match était absolument pas joli. C'était un carnage. C'était le chaos. Mais il en faut de temps en temps des matchs comme ça pour changer un petit peu. Parce que voilà, ça peut pas être que joli. Bon, sauf cas exceptionnel, je pense qu'on va arrêter l'épisode avec ça. Je pense que ces deux matchs par équipe sont largement suffisants pour un seul épisode. En tout cas, c'était cool. Franchement, je me suis très bien éclaté.
Et bon, j'espère que je trouverai une solution pour me débarrasser de Finn sans avoir changé de classement, parce que franchement, ça m'embêterait d'échouer aussi près du but. Ouais, bah, les matchs par équipe s'enchaînent, hein, donc on va affronter Jey Uso et Aiden English dans un tornado, ça me plaît bien. Mais alors, mon rival, est-ce que Finn a un match? Parce que ouais, ça me gêne. Hein, Il a un match. Rien à faire, je continue l'épisode. J'en ai plus rien à faire. J'en ai tellement plus rien à faire. Ouais, je vais lui casser la figure en coulisses. Je vais lui casser la figure en coulisses. J'en ai rien à faire. Allez, Jay. Concentration maximale pour les prétendants numéro 3. Pour affronter peut-être les prétendants numéro 2, parce qu'ils sont pas mal placés ces deux-là. Pourquoi je cible AJ dès le début? Le jeu qui veut me forcer à trahir mon partenaire. Mais si c'est pas scandaleux ça. Je me retrouve confronté à mon vrai rival au départ, Aiden English. Malheureusement, à cause de Paul Heyman, cette rivalité n'ira pas plus loin. Ou en tout cas, n'ira pas plus loin que ce match. Parce que mine de rien, enfin on peut s'affronter. Bon, cela dit, c'est vrai que j'ai un petit peu cassé la figure dans un match Hell in a Cell. Vite, 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 non, non, c'est pas juste. Voilà, Avalanche Victory Roll. Je ne m'en tiens pas pour le tomber. Tu laisses mon partenaire tranquille, s'il te plaît. Oups, pardon, c'est un petit peu gêné tous les deux. Tu laisses mon partenaire tranquille. Oups. Désolé, Jay. Je fais un peu n'importe quoi en ce moment, tu vois. Je crois que je suis pas bien. Je crois que je vais mal. Bon, allez, on va se concentrer sur un adversaire à la fois. Je pense qu'AJ réussira à maîtriser Aiden English. Moi, je vais m'occuper de Monsieur Uso. Bon, pour l'instant, c'est lui qui s'occupe de moi quand même. Hein. Descente du genou. Ouh, avec un plongeon raté. Oh, oh là là. Oh, AJ. C'est tellement génial de ta part. Ok. On change. Pouf. Coup de pied dans les fesses. Il faut que j'attaque vite. Shinbreaker. Donc j'attaque le genou. On va juste taper Jay. Voilà pour que... j'ai tapé Jay, pardon. J'ai buggé parce que j'ai cru que j'avais dit AJ, mais en fait, oui, j'ai tapé Jay. Ça fait bizarre. Allez, DDT, AJ, tu peux te relever, s'il te plaît? Je suis en train de gérer les deux à moi tout seul. Voilà. De rien. Bon, attention, c'est bien joué, ça. Neckbreaker de la part de Aiden English. Je contre. Saut chassé, qui touche bien. Bien joué, AJ, bien joué. Le bras à la volée, magnifique. Moi, je me fais contrer par Aiden. Je vais bientôt pouvoir finir, hein, si je ne me débrouille pas trop mal. Ce match sera bientôt fini. Et j'aurai économisé quelques forces pour ma bagarre avec Finn Balor. Oh, le moonsault. Le moonsault. Non, tu fais pas ça, mon partenaire. Tu fais pas ça, mon partenaire, d'accord? C'est mon partenaire. Bim. Aiden. Lève-toi, Aiden, je vais t'aider. Pour mieux te briser la mâchoire. Oui, monsieur l'arbitre, c'est bien ici qu'il faut compter. Je le déteste. Je le déteste. Non. J'ai dit non. J'ai dit. Quand je dis non, c'est non. Tu dégages de mon ring, parfait. Oh joli, oh joli. Allez. Le petit paquet. On gagne par tous les moyens possibles. Ça ne suffit pas. Ah dommage, j'ai tenté une prise de soumission. Ça a été contré par Aiden English. The Drummer King, qui porte maintenant une superbe souplesse. Ouais, c'est ça, vas-y, fais le malin. Fais le malin. Bon,
l'avantage d'avoir tapé un petit peu les deux, c'est que KJ a l'avantage, peut avoir l'avantage sur n'importe lequel. Donc ça, moi, c'est bien. Je suis en train de me réconforter, hein. Je suis en train de me dire que je fais pas totalement n'importe quoi non plus. Même si je fais beaucoup, même si je fais beaucoup de trucs qui peuvent paraître un peu nawak, ça va. J'ai l'air de savoir ce que je fais. Enfin non, je sais ce que je fais sans en avoir l'air, c'est surtout ça. Ah, dommage Aiden. Voilà, tu vas te prendre ce brise-mâchoire. Allez, si l'arme secrète fonctionne, on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Ah, c'est contré par Jay, il faut que je fasse gaffe. On va éloigner Jay un petit peu d'AJ. C'est compliqué, hein. Jay et Jay. Hein. Allez, voilà. Parfait. Voilà, comme ça, AJ pourra retenir Jay si besoin. Je pense qu'il est un peu buggé. Non, ça va. Oh, bien joué ça. Bien joué AJ. Ah, je pense que là, c'est fini. Ah, mais non, c'est pas mon coup spécial, je suis bête. Oh, je pense que même un plongeon, ça va suffire pour battre Aiden. Plongeon classique. Et Jay n'a même pas remarqué. Magnifique. Le Twisted Bliss qui me permet de vaincre Aiden English et Jay Uso. Pardon, qui nous permet de battre Aiden English et Jay Uso. Non, je n'oublie pas qu'AJ est avec moi. Ça va, je me sens mieux là. Surprise. Désolé René, maintenant c'est moi qui massacre tes interviews. Mais là, j'ai pas le choix. Il le faut. Je vais traîner tes fesses jusque dans le bureau d'autorité. Tu vas voir, ça va pas faire un pli. Pourquoi ma santé n'est-elle pas revenue au maximum? C'est quoi ce scandale? Alors quand les autres m'attaquent après un match, leur santé revient au max et moi non. Ok. Dans le genre injustice quoi. Viens là. On va rendre visite à l'autorité là. Parce que là, ça peut pas passer. Prends-toi le mur, parfait. Tu sais quoi? Je vais pas rentrer tout seul, on va y aller tous les deux. En même temps. Et tu viens? Non, Finn, ça c'est un mur. Finn, je t'explique. Tu viens là, voilà. Ça va, il se défend pas trop, ça m'arrange. Bon. Alors, qui est dans ce bureau? Bonjour. Moi, c'est Kev Raker. Et à chaque fois... C'est pas vrai. À chaque fois que j'y vais, il n'y a personne. Bon sang, mais les complots intersidéraux qu'il y a dans ce jeu, c'est incroyable. Bien joué, Finn. Voilà, ça, c'est parfait. Non, il n'y a pas de tombée, Kev. Relâche. Voilà. Ouh, contre le bureau. Prends cette chaise. Tu vas la prendre cette chaise. Voilà, quelques coups de chaise. Histoire de te calmer un petit peu. Mais pas que. Bah, vu qu'il n'y a personne dans le bureau, je vais pas me gêner pour faire comme chez moi. De toute façon, même s'il y avait quelqu'un, je me serais pas gêné non plus. Donc on va sur le bureau. On fait tomber l'ordinateur portable, parce qu'on est des rebelles, et DDT! J'espère que le message est clair. Et je recommencerai autant de fois que nécessaire. Juré. Jusqu'à ce que René Young me dise « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça ?» Et que je puisse dire bah, que j'en ai marre, que ça me saoule, que voilà.
Est-ce qu'on peut me dire que... Bah non, bah oui, la rivalité normalement est déjà lancée, mais malheureusement elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Ah, ah, match contre Finn Balor. Est-ce que mes efforts vont enfin payer? Je peux pas l'attaquer après. Je peux pas dire maintenant que je vais l'attaquer après le match. Parce que j'aimerais bien en fait. Le craquage. Bon, en fait, je vous explique, j'ai tendance à délirer un petit peu en fin de journée quand j'enregistre beaucoup de vidéos dans la même journée. C'est pour ça que généralement j'en enregistre seulement une ou deux et que je fais les montages au fur et à mesure. C'est. Voilà, c'est pour ça. Là, j'en ai enchaîné trois quand même. Toutes les vidéos sur WWE 2K, hein, deux vidéos du mode univers et deux vidéos sur les modes carrière, ce sont les vidéos les plus longues à enregistrer. Et donc ça me fait passer, ça m'a fait passer à peu près un peu plus de 2 heures en tout sur la console. Ce qui est pas énorme, hein. Mais comme je parle en même temps et qu'il fait chaud, et que mon ordi a pas mal fonctionné parce que j'ai également fait rendu des dos plus tôt dans la journée, et ben forcément avec la chaleur, on a un petit peu tendance à perdre ses repères. Voilà. Donc, match contre Finn Balor, je vais lui casser la figure. Et si RVT n'avance pas, je vais encore lui casser la figure. De toute façon, Money in the Bank, je serai pas dans le match Money in the Bank, ça c'est clair. Je pourrais, alors ça c'est un truc qui est logique, qui va peut-être qui vous a peut-être traversé l'esprit. Je pourrais profiter de ce bug pour repasser dans le classement pour le titre mondial, et c'est ce que je vais peut-être faire si jamais j'arrive pas à me débarrasser de Finn Balor. Mais j'aimerais quand même essayer de me débarrasser de Finn Balor, parce qu'on est tellement proche de devenir champion par équipe que c'est vraiment dommage de se dire « Ah mince, s'il y a un bug, un bêta, j'essaie pas de le contourner, donc voilà. » Donc j'ai vraiment envie d'essayer vraiment de me débarrasser de Finn Balor, on va dire par les moyens traditionnels de la WWE, à savoir, ou même du catch, hein, à savoir par la confrontation directe, les agressions, les bagarres incessantes, jusqu'à une bataille finale qui résoudra le problème une bonne fois pour toutes. Donc c'est avec ça en tête qu'on attaquera l'épisode 126, on attaquera aussi Finn, bien sûr, hein, cela va de soi. Donc ce sera l'épisode 126. Salut tout le monde, à la prochaine.